On va attendre quelques secondes encore pour être sûr d'avoir tout le monde. Bonjour Julien, vous êtes a priori quelques-uns déjà à avoir rejoint le chat. On a eu quelques minutes de décalage, le temps de se caler. J'attends encore un tout petit peu. On est 23 en ligne, ok. C'est cool. 25, donc c'est parti a priori. Donc alors on va bientôt commencer. Hop, je vais déjà commencer par le début. Voilà, ça va être plus sympa pour commencer. Et puis l'essentiel n'étant pas de me voir, mais de voir ce qu'il y a à l'écran bien sûr. Bien c'est parti. Si tout le monde est d'accord. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. L'idée donc c'est de faire ce premier BBL live dans des conditions un petit peu particulières, de manière à apporter toujours un peu plus d'informations, de tutorat, de partage de connaissances, ce qui est pas évident. Habituellement on le fait en salle, ce qui est un petit peu plus facile. En live ça a d'autres facilités, mais l'objectif c'était de le faire. Ça a été aussi l'occasion pour nous de lancer la chaîne Ornes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en tout cas vous êtes déjà probablement abonné, mais n'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à, quand vous vous abonnez à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui permet de recevoir les notifications, notamment quand il y aura des annonces de fait pour les prochains lives, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire quelques slides ensemble et quelques lignes de commande ensemble pour débuter avec Docker. Donc, c'est vraiment une vidéo pour débutants, c'est-à-dire comprendre un petit peu mieux Docker, comment ça fonctionne, quel est l'intérêt d'adopter Docker aussi, parce que souvent c'est des questions qui reviennent. Alors si un grand nombre d'entreprises y sont déjà passées, d'autres ne sont pas forcément passées et ne perçoivent pas forcément l'intérêt d'y passer. C'est à juger, donc on va essayer d'apporter quelques éléments par rapport à tout ça. Donc là je vais me cacher, je vais partir et on est parti pour découvrir Docker ensemble. Donc l'idée aujourd'hui c'est de faire un premier run avec quelque chose de très simple, balayer Docker dans son ensemble, mais sans pouvoir rentrer dans le détail parce qu'on va essayer de faire un peu court comme vidéo. On va essayer de faire une demi-heure, de voir différents aspects de Docker, les notions fondamentales, et puis lors d'un prochain live la semaine prochaine, si vous le souhaitez, on va aller plus loin, découvrir les notions d'image, voir un petit peu comment on peut travailler les images. Donc c'est parti, donc t'es qui toi, donc c'est moi. On va passer très rapidement. Donc moi j'ai un alias qui s'appelle Xavki. Je suis youtubeur dans la sphère DevOps. En même temps, donc j'ai été sysadmin DBA, j'ai fait du DevOps. Je refais un peu de sysadmin. Donc voilà, j'aime bien toucher à toutes les technologies un petit peu modernes et la conteneurisation en fait partie au sens large, pas que Docker. Quand on parle, donc il y a quelques années, quand on parlait de conteneurisation, on parlait systématiquement uniquement de Docker. Désormais, il faut compter avec les autres acteurs et je dirais, il faut même surtout penser à être multi-container runtime, puisqu'on appelle ça comme ça. L'objectif du jour, donc, qu'est-ce qu'un conteneur? Pourquoi? Donc, le conteneur runtime Docker, qui est quand même celui qui est quand même le plus couramment pratiqué. La différence entre image et conteneur, très important quand on débute de bien différencier les deux.
la command line de Docker, les premiers, on va faire à des premiers runs. Ensuite, on va voir donc quelques éléments sur les images, comment récupérer, comment manipuler brièvement les images, les volumes, les réseaux à travers Docker, et un petit peu plus à la fin si on a le temps. Alors, qu'est-ce qu'un conteneur? Donc ça, c'est l'image, je pense, qui revient tout le temps quand on parle de conteneur. C'est une image que vous trouverez très facilement sur Google, qui permet de très rapidement modéliser la différence entre une VM, une machine virtuelle, et un conteneur. Alors, la différence essentielle, c'est l'émulation. Une VM, c'est quoi? Donc, si on regarde, c'est le slide, quoi, la partie gauche de l'image. Une VM, c'est généralement une grosse machine qu'on appelle hyperviseur. Dessus, on installe un système qui permet d'émuler des systèmes d'exploitation dessus, donc de toutes sortes les systèmes d'exploitation. Et émuler l'ensemble des éléments hardware pour simuler le fait qu'on ait une machine physique. Donc, c'est-à-dire des interfaces réseau, c'est-à-dire du stockage et pas mal d'autres choses. Bien sûr, l'OS dispose de son kernel, de son noyau, et au-dessus, du coup, au niveau de chacune des hosts là, qu'on voit ici, au-dessus de l'hyperviseur, c'est ce qu'on appelle des machines virtuelles, ce qu'on retrouve également dans le cloud assez souvent, sous des allures pas tout à fait identiques, mais en tout cas, c'est ce même principe-là. On peut noter, on peut citer notamment VMware. Dessus, on va installer donc un OS qui va être différent au niveau de chacune des machines. Et sur cet OS, on va pouvoir installer des binaires, des librairies, pour pouvoir installer dessus des applicatifs, que ce soit des applicatifs système ou des applicatifs métiers dédiés à ce qu'on a besoin comment d'héberger. À droite, on a le système à base de conteneurs. Là, c'est quelque chose de différent. Et donc la première différence, généralement on n'a pas une machine qu'on peut, en tout cas on qualifie pas cette machine d'hyperviseur. C'est généralement il vaut mieux avoir des machines avec une certaine capacité, pas forcément autant de capacité qu'un hyperviseur notamment, parce que au-dessus tout simplement on ne va pas faire d'émulation de hardware comme ça a été le cas pour les machines virtuelles. On va directement donc avoir un seul une seule quoi on va dire une seule connexion quoi interface réseau. Le matériel réseau, on va l'avoir une seule fois au niveau de la machine principale. On va avoir également donc tout ce qui est volume, on ne va pas pouvoir l'émuler, donc on reposera sur les mêmes partitions, les mêmes éléments que la machine principale qui va héberger ce qui est au-dessus, c'est-à-dire notre container engine, donc ou notre container runtime, au-dessus, ce container engine, lui, donc en dessous, va utiliser le noyau de la machine qui l'héberge, donc qui est l'équivalent de l'hyperviseur quelque part sur les machines virtuelles, mais là, le noyau est partagé entre les containers et la machine qui est juste en dessous, alors que de l'autre côté, vous voyez, quand on avait l'OS, on avait bien un noyau pour chacun des OS en question. Donc quelque chose d'assez différent. Et par au-dessus, ça n'empêche pas qu'on va installer des applicatifs. Alors plutôt des applicatifs métiers, moins des applicatifs système pour le coup, mais on va installer des applicatifs et les librairies et les binaires qui s'y attachent. Donc voilà la grosse distinction entre les deux, c'est cette capacité à émuler ou non la partie, la couche hardware. Donc ce qu'on fait pour la machine virtuelle, ce qu'on ne fait pas pour du conteneur. Du coup, en découle une chose, le conteneur le travailler avec des conteneurs est beaucoup plus léger, c'est-à-dire lancer un conteneur ne va pas mettre autant de temps que lancer une machine virtuelle, créer un conteneur va mettre moins de temps que de créer une machine virtuelle. Ce qui est logique en soi, puisqu'en fait, on n'a pas besoin de démarrer tout un système. Et un conteneur, c'est quoi finalement? Ça ne repose que sur un process. Donc à chaque élément qui est là, app 1, app 2, app 3, on a un process. Et ce process tourne
sur le système d'exploitation qui est juste en dessous, qui est unique et qui est partagé entre chacun des conteneurs. D'où une nécessité ensuite de répartir des ressources, de gérer et de bien gérer les ressources entre chacun des conteneurs, gérer aussi une bonne sécurité entre chacun des conteneurs. Voilà. Donc voilà pour la présentation, quoi, la différence essentielle entre conteneurs et VM. Alors d'où viennent les conteneurs, d'où vient ce mot et pourquoi c'est intéressant de faire un petit peu d'histoire? Alors déjà, on peut faire de l'histoire en revenant à la partie, comment on va dire, physique, réelle, dans la vraie vie des conteneurs. Et dans l'histoire des conteneurs, donc il faut remonter dans les années 30, pardon. Avant les conteneurs, vous voyez, les vrais conteneurs, hein, je parle des conteneurs intermodaux, ceux qui sont transportés maintenant sur les bateaux. Avant les conteneurs, on transportait les choses sous différentes formes, des barils de pétrole, des barils même d'autres choses, des sacs, et il fallait faire de la manutention plutôt fine en fonction des éléments, les stocker sur les bateaux quoi qu'il arrive, mais il fallait donc déplacer ça du camion, puis ensuite recharger ça sur les bateaux avec des éléments qui étaient difficiles à stocker, moins faciles. Avec beaucoup de manutention, une manutention difficile. Est venue ensuite donc l'image du milieu, c'est-à-dire le conteneur intermodal, qui lui est le conteneur qu'on connaît maintenant, donc c'est apparu dans les années 50, avec des normes, un bureau du conteneur qui existe réellement, qui permet de standardiser, qui a créé des normes ISO pour standardiser les conteneurs, donc des dimensions en hauteur, en largeur, en profondeur. Et ce qui permet maintenant, voilà, d'entreposer ces conteneurs sur des porte-conteneurs. Et puis, quand le bateau arrive à quai, on prend le conteneur, on s'occupe pas de ce qu'il y a dedans, si le conteneur est plein et vide, ce qu'il y a dedans, s'il y a du liquide, d'autres choses, peu importe la forme. On prend le conteneur et on le pose ailleurs, on le pose sur un camion pour pouvoir le transporter ailleurs, et puis ainsi de suite jusqu'à arriver à l'utilisateur final. Finalement, le conteneur au niveau de l'informatique, c'est exactement le même principe. Au niveau de l'informatique, avant les conteneurs, ce qu'on avait, c'est des binaires, donc des applications qui étaient livrées sous différentes formes, soit sous forme de binaires, de targz, d'autres éléments, avec des dépendances qui étaient difficiles à gérer, c'est-à-dire des dépendances en termes de version, en termes de type de librairie ou de librairie. Donc des choses très très difficiles à gérer, qui nécessitaient beaucoup d'échanges avec les devs et les quoi entre la personne plutôt qui livrait et la personne qui était à l'origine de la commande pour être sûr de parler de la même chose et pouvoir déployer les applicatifs sur les mêmes environnements et être sûr que ça fonctionne. Donc il y avait besoin de se caler beaucoup en avance, ce qui représente un petit peu l'image qu'on a en haut à droite où on avait des choses diverses et variées. Pas forcément évident de parler de la même chose au début, donc beaucoup d'échanges, beaucoup de formalisme sur la manière de livrer, etc. Est arrivé donc le conteneur en informatique, et du coup, il permet de faire la même chose que le conteneur intermodal, c'est-à-dire il standardise une norme, et on va pouvoir du coup dans ce conteneur stocker tout ce qu'on le souhaite. Alors, les mauvaises langues diront on peut stocker tout et n'importe quoi et de différentes manières, plus ou moins sécurisées, etc. C'est vrai, mais néanmoins, ça permet d'avoir un outil qu'on va pouvoir déplacer, un support qu'on va pouvoir déplacer très facilement, alors d'un provider à un autre, etc. Donc ça simplifie quand même les choses. C'est aussi un moyen de livraison, c'est un moyen de stockage. On va voir ça par la suite. Donc le conteneur informatique, son origine, ça date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter à 1979. On avait déjà un peu l'arrière-grand-père du conteneur, c'est-à-dire le ch-route. Le ch-route qui permettait de créer une isolation pour un utilisateur donné, par exemple. Une isolation et de se retrouver avec une route racine qui n'est pas celle dont l'utilisateur, quoi, en tout cas, où pense être l'utilisateur. On va pas revenir dans les détails de tout ça. Ensuite, il y a eu des évolutions par rapport à tout ça, donc les jails, qui sont une évolution du ch-route avec des apports d'IP, etc. Une volonté ensuite de vouloir gérer les ressources à partir de 2001,
Et puis est arrivé en 2007, donc suite à des travaux notamment de Google, les C-groupes ayant une vocation vraiment à gérer finement les ressources, soit en matière de CPU, en matière de RAM, etc. Ensuite est apparu donc en 2008 Linux Container, donc qui apporte la couche, on va dire la première couche supérieure qui permet vraiment l'utilisation des C-groupes et des namespaces. Qui jusque-là n'était pas vraiment utilisé, en tout cas était utilisé de manière diffuse, sans réel standard, etc. Donc Linux Container apparu en 2008, ça a commencé à vivoter, et puis est arrivé en 2013 la société qu'on connaît maintenant sous le nom de Docker, qui a créé ce qu'on appelle donc un container runtime, donc un moteur de conteneur qui repose sur l'utilisation des C-groupes et des namespaces, entre autres. Et puis en 2014 est arrivé donc un autre concurrent, donc LXD, qui lui utilise aussi le principe quoi, les C-groupes et les namespaces avec les Linux containers. Donc quelque chose de très très évolutif. Et puis maintenant il existe de nombreux autres container runtime dont il faut être au courant et informé. Alors on va accélérer un petit peu. Les namespaces et C-groupes, on va pas trop rentrer dans le détail dessus. L'idée donc c'est simple, c'est de l'isolation. En gros, comme je l'expliquais tout à l'heure, les containers, donc si on revient ici j'ai dit que à droite, chaque élément, donc app 1, app 2, app 3, qui sont des containers, reposent sur un process chacun, un process système. C'est d'ailleurs, si on fait un PS au niveau de la machine, donc de l'OS host qui héberge l'ensemble des containers, on va retrouver chacun de ces process-là individuellement. Et du coup, les C-groupes et les namespaces, eux, ont vocation à gérer des process. Alors on peut le faire dans les conteneurs, mais on peut le faire aussi en dehors de conteneurs, gérer des process et leur attribuer des ressources, permettre de gérer leurs ressources, leur isolation des uns par rapport aux autres. Donc on va pouvoir dire que tel process, par exemple, ne peut utiliser au maximum que 10% par exemple de la ressource CPU ou X mégas de mémoire. On peut aussi gérer la bande passante, dire que on limite la bande passante à tel élément, etc., etc. Donc voilà, il faut bien avoir en tête qu'on utilise ces éléments-là qui sont dans le noyau Linux. On peut installer des packages comme la lib cgroup, où on va avoir de la ligne de commande CG7 par exemple pour faire du cgroup setting. Mais derrière, au-dessus, on a rajouté des choses qui facilitent l'utilisation de ces éléments-là, avec bien sûr, c'est pas Docker ou d'autres containers runtime ne se limitent pas juste à l'utilisation de ces éléments-là, ils apportent plein d'autres choses à côté. Alors, quel est l'intérêt finalement donc de passer sur de la conteneurisation, ou quel est l'intérêt de la conteneurisation par rapport à quelque chose qu'on a connu auparavant? Alors, d'une part, ce que je viens de dire, ça permet une isolation. Alors, c'est vrai qu'il y a des détracteurs par rapport à la conteneurisation qui ont tendance à dire les conteneurs, ce n'est pas sécurisé. Alors, quand on regarde le modèle qui est là, on s'aperçoit que par rapport à l'OS principal, on a quand même une couche qui, si elle est bien configurée, permet de rajouter de la sécurité et de l'isolation. Après, il faut-il encore qu'elle soit bien configurée. Mais en tout cas, ils peuvent permettre d'apporter de la sécurité supplémentaire et apportent, et ça c'est certain, de l'isolation, quoi qu'il arrive, en termes des ressources dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier élément, un premier intérêt. Donc c'est-à-dire que si on a plusieurs process qui tournent sur une machine, on va pouvoir dire tel process va pouvoir utiliser X% de CPU. Par contre, mon process vital qui tourne sur la machine, lui, je vais le laisser utiliser tout ce dont il a besoin. Voilà, donc on va pouvoir répartir, gérer un petit peu mieux la ressource plus finement et tout en étant accompagné, managé grâce à ces conteneurs. Ensuite, donc on en a parlé, l'image derrière c'est quoi? C'est de l'encapsulation, donc on va pouvoir embarquer nos libs, embarquer plein d'éléments et avoir du coup un livrable qui va être beaucoup plus simple, qui va être aussi plus simple à versionner parce que Docker apporte avec lui son système de versionning, son système de versionning. Il permet donc d'inclure des dépendances. Qui dit inclure des dépendances, du coup, dit moins d'adhérence. On va pouvoir du coup être agnostique, c'est-à-dire que ça va être très facile de prendre un conteneur,
plutôt de lancer une image, on va voir par la suite, sur différents supports, différents providers. On va pouvoir aller sur du cloud, on va pouvoir aller sur de la machine physique, on va pouvoir aller sur de la VM, passer de l'un à l'autre quasiment en toute transparence. Donc ça, c'est un gros, gros point fort. Et globalement, quand une société veut faire l'effort de passer à la conteneurisation, la première chose à faire, c'est d'apprendre à faire des images de manière à pouvoir passer les étapes ensuite et transporter ces conteneurs plus facilement. D'autres types de supports, des supports, on va dire, plus poussés. Donc ça va être des modes de clustering, pardon. À base de Kubernetes, de Swarm, de Nomad ou d'autres éléments sur des machines qu'on va faire communiquer entre elles. Ça va permettre aussi de disposer de ce qu'on appelle d'une registry qui permet de gérer de l'authentification également pour stocker les images, avoir un point partagé et les distribuer. C'est le cas notamment avec Docker Hub, la plus connue. C'est aussi très très lié aux microservices et ça apporte du coup des possibilités de déployer des microservices beaucoup plus facilement. C'est pour ça que l'un ne va pas sans l'autre et de la scalabilité. Alors, un container runtime comme Docker, c'est quoi? Donc, on va partir du bas. En dessous ici, en dessous ce qui est écrit run C, on a donc nos namespaces et nos C groupes. Ces namespaces et ces C groupes sont utilisés et configurés par ce qu'on appelle Run C. Run C, c'est un petit outil qui a été créé par Docker, qui remplace Linux Container et qui permet donc de faire de la configuration de ces éléments qui permettent de faire la gestion de ressources. Ensuite, donc c'est de la ligne de commande. Hein, si vous allez, hop, on va faire comme ceci. Donc si on fait Run C dans Google, vous allez en première ligne ici et vous pouvez installer Run C dans votre coin et c'est une ligne de commande qui va permettre de lancer des conteneurs déjà à son niveau. Donc dès ce niveau-là, on peut lancer des conteneurs. Containerd lui apporte une couche d'interfaçage que Docker a créé également. Alors Run C, ça a été créé par Docker et ça a été livré ensuite à l'OCI, donc l'Open Container Initiative, qui est l'instance mondiale qui permet de coordonner en gros les normes en matière de conteneurs, donc notamment les formats d'images par exemple. Au-dessus, donc Run C étant du Go, Linux Container lui de l'autre côté étant du C. Donc tout ce qui tourne à partir de Docker tourne en Go, qui est un langage très très utilisé maintenant au niveau système, et notamment applicatif système également. Au-dessus, donc, on retrouve une couche d'interfaçage créée également par la société Docker qui s'appelle Containerd. Auparavant, on avait une autre couche qui venait se rajouter qui s'appelait Docker Shim. Voilà, donc qui est également donc Containerd, qui est une interface qu'on peut aussi utiliser en ligne de commande également. Et puis au-dessus de tout ça, on a ce qu'on appelle DockerD ou Docker Engine. C'est vraiment le moteur en lui-même, ce qui fait tourner Docker et qui permet de rajouter à tout ce qu'on a vu, donc tout l'aspect conteneur classique, gérer, on va dire, C groupes et namespace, bah, on va pouvoir gérer aussi à côté pas mal d'autres choses, notamment les volumes pour gérer le stockage de la data et les networks. Et au-dessus, enfin, bah, on a la ligne de commande Docker, telle qu'on utilise. Donc là, Docker tout simple, donc DockerD, Docker simplement en dernière étape. Alors, définition entre deux choses très importantes et deux choses à bien différencier. D'un côté, les images, d'autre côté, les conteneurs. Une image, c'est quoi? Une image, c'est plutôt, si on devait faire la représentation physique que je vous ai présentée tout à l'heure par rapport aux conteneurs intermodaux maritimes, l'image, en fin de compte, ça s'apparente plutôt aux conteneurs tels qu'on l'a vu. En gros, c'est quoi? C'est une boîte dans laquelle on va mettre plein de choses, un ensemble de fichiers, des binaires, etc., des libs, qui sont non modifiables, ou modifiables, mais plutôt en empilant les choses, sans vie. Donc c'est-à-dire qu'on a une image, c'est quelque chose qui est sans process, hein. En gros, ça pourrait s'apparenter à un TarGZ, enfin bon, à quelque chose où on va stocker de manière compressée un ensemble de fichiers, composé de librairies de binaires, qui va être lancé pour devenir un conteneur, donc une image. Tant qu'elle n'est sans vie, reste une image. Et puis à partir de cette image, on va pouvoir générer des conteneurs, lancer des conteneurs à partir de cette image. Pour une image, on peut lancer plusieurs conteneurs, bien sûr. Cette image a un format spécifique
qui est commun à toutes les images, c'est le format OCI, donc Open Container Initiative, qui permet de standardiser les images avec un format JSON de description et pas mal d'autres choses. À côté, on a donc le conteneur. Qu'est-ce que c'est que le conteneur? Bah, finalement, le conteneur, maintenant qu'on a vu l'image, c'est très simple. C'est on a pris une image, et puis dans cette image, quand on l'a configurée, on a dit dans cette image, il y a un applicatif, et l'applicatif qu'on va lancer, l'applicatif maître, on va dire, de l'image, c'est tel binaire. Et bien le conteneur, lui, il a vocation à lancer dans un process ce binaire, faire en sorte qu'il vive. Et derrière, donc du coup, on peut utiliser cette image, la lancer sur plusieurs conteneurs. Et puis le conteneur, lui, va permettre aussi de gérer les aspects de le périmètre un peu étendu des conteneurs, c'est-à-dire ce dont on a parlé tout à l'heure, les variables, le réseau, les volumes et pas mal d'autres choses. Alors, là, on va faire une chose, on va s'installer Docker. Donc moi, à côté, ici, j'ai une machine. J'ai pas installé Docker, voilà. Donc, si je fais install Docker, moi c'est une CentOS la machine, voilà. Hop. Ici, donc j'ai get Docker et généralement Docker a un process d'installation un peu simplifié. Il nous fournit ce qu'on appelle un wrapper qui permet de détecter automatiquement le système d'exploitation qui est en dessous. Donc là, on peut le voir, c'est un fichier bash qui permet de détecter le système d'exploitation qui est en dessous, d'installer. Donc je vais faire sudo hop, alors, chmod de notre fichier. Voilà. Et là, je vais lancer l'installation de Docker. Derrière, qu'est-ce qu'il fait? Très simplement, ce wrapper va installer le repository donc là de CentOS. Les miroirs qui vont bien, faire un update de tout ça, faire l'install ensuite, vous voyez, du paquet Docker CE, qui est Docker, à la fois Docker D et la CLI Docker. Et une fois qu'il va avoir terminé, donc on va continuer d'avancer en même temps la présentation. Donc Docker, derrière, on va pouvoir bénéficier du moteur. On va pouvoir le configurer aussi, donc quand on va dans etc Docker, on peut éditer un fichier daemon.json. Dans ce fichier daemon.json, on va pouvoir setter plein de choses. On va pouvoir setter si on veut utiliser du TLS ou pas. On va pouvoir setter des plages d'IP définies pour les containers. Donc à chaque fois qu'on lance des containers, on utilise des IP. Parfois, voilà, on a un subnet interne à notre entreprise. On a utilisé pas mal ce subnet et puis on ne veut pas que Docker vienne interférer avec la même range d'IP. Donc du coup, on peut aller surcharger cet élément-là. On peut aller imposer un driver de logs à Docker. Donc par défaut, il est fait pour utiliser une commande qu'on appelle Docker logs, mais on peut aller lui dire, écoute, tes logs, tu les envoies directement dans un ELK, tu les envoies dans un syslog ou autre. Donc là, il doit avoir fini son installation. Voilà, donc Docker a fini son installation. Derrière, j'ai plus qu'à faire une chose. Pour pouvoir l'utiliser avec mon user qui est là en l'occurrence Vagrant, je dois faire un sudo user mod tiret petit a grand g Docker. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise mon utilisateur courant, donc dollar user, donc qui vaut Vagrant, et je le rajoute à un groupe que vient de créer Docker qui s'appelle Docker. Ça va me permettre, donc si derrière je. Alors on va déjà lancer Docker, donc on va faire un sudo service Docker status. Donc Docker n'est pas lancé, donc je vais le starter. Voilà, ici je fais un status, donc Docker est lancé. Si je ressors et que je re-rentre sur la machine, c'est un peu moche, mais c'est la manière la plus rapide de le faire. Maintenant, je suis dans le groupe Docker avec Vagrant. Si je fais un Docker PS, qui est une commande de Docker, voilà. La Docker PS est une commande qui permet de lister les conteneurs. En l'occurrence, je n'ai pas de conteneur d'installer, mais Docker fonctionne. Si je fais un Docker info, yop, voilà. Docker info me permet d'avoir plein d'éléments sur, donc d'une part bien sûr les versions de Docker, mais le nombre de conteneurs qui tournent, qui sont stoppés ou qui sont en pause, le type de stockage, ça on va pas l'aborder aujourd'hui, le type de stockage, le logging driver, donc là on est en format JSON, le laisser group driver, donc on utilise cgroupfs,
Le conteneur runtime, vous voyez, donc le runtime qu'on utilise, qui permet d'utiliser ces groupes, c'est runc. Voilà, pas mal d'autres choses, l'architecture de notre système, la mémoire, etc. Donc on va accélérer un petit peu. Donc Docker, sa ligne de commande est assez simple. C'est une ligne de commande, donc si on tirer tirer help. C'est ce qui a permis à Docker de vraiment percer dans le domaine de la containerisation, c'est la simplicité de sa ligne de commande, sa compréhension, c'est son aide également qui permet de vraiment s'y retrouver très facilement. On retrouve beaucoup de commandes qu'on retrouve dans le système classique, c'est-à-dire PS. On va retrouver top, on va retrouver du stop, du start, donc des choses qui sont très parlantes, donc on va s'y faire très facilement. Derrière, Docker permet aussi d'utiliser donc Docker Inspect, quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Docker Inspect, ça permet de consulter les métadatas de l'élément sur lequel on est. Donc on va passer maintenant à nos premiers runs. Donc premier run, on va faire un Docker run d'une image Nginx. Donc si je fais un Docker run de Nginx, là je me retrouve donc à télécharger une image Nginx qui est tout simplement, si je fais Docker Hub, voilà, c'est comme si j'allais sur Docker Hub, donc qui est l'endroit où sont entreposées le plus d'images, qu'on va dire, et que je tapais Nginx et que je récupérais l'image Nginx qui est là par défaut. On va pas parler trop du versionning aujourd'hui. Donc mon image a été téléchargée, elle a été lancée, là elle est en train de tourner, donc là le conteneur est en train de tourner. L'inconvénient de faire fonctionner le conteneur de cette manière-ci, c'est que, donc si j'ouvre, hop, alors, je vais ouvrir un deuxième, donc j'ouvre, je me connecte une deuxième fois à la machine, j'ouvre un deuxième terminal dessus. Si je fais un Docker PS ici, j'ai bien mon conteneur qui fonctionne. Donc mon conteneur avec mon Docker PS, j'ai pu lister les conteneurs présents, hein, Docker PS. Il est attribué à un nom aléatoire par défaut. Et puis on voit qu'il fait bien tourner une image Nginx. Donc elle tourne depuis 37 secondes. Si je veux quitter mon terminal de gauche, je me fais un CTRL C, je sors. Là, malheureusement, j'ai perdu mon conteneur. Donc, meilleure méthode, on va aller plus loin tout de suite. On fait un Docker run-d. On peut spécifier un nom de conteneur plutôt que d'avoir un nom aléatoire. Donc là, je vais l'appeler mon conteneur, par exemple. Et puis, je vais rajouter Nginx à la fin. Donc là, si je le lance, je vais avoir un conteneur. Vous voyez que tout de suite, j'ai pu récupérer mon terminal. Et si désormais, je fais un Docker PS, voilà, je me retrouve bien avec mon conteneur ici. Autre élément important, donc je vous en parlais tout à l'heure, on a la ligne de commande Docker Inspect. Docker Inspect qui permet donc à partir du nom ou à partir de l'ID, qui est un ID qui est un SHA-1 tout simplement, donc unique, je vais pouvoir, hop là, donc Docker Inspect, voilà. Je vais pouvoir faire un Docker Inspect sur cet ID et récupérer toutes les métadonnées dédiées à ce conteneur, c'est-à-dire la description globale du conteneur. Notamment, vous voyez que mon conteneur possède une IP. Donc là, ce qu'on a derrière, ça sous-entend qu'on a quand même quelque chose qui s'est passé au niveau réseau. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je fais un ifconfig sur ma machine, j'ai eu d'installer sur ma machine ce qu'on appelle un bridge. Donc là, c'est le bridge par défaut de Docker. Il s'est installé un bridge qui s'appelle Docker 0 et par défaut, il est sur le range d'IP 172.17.0 et donc ma gateway 1. Et derrière, il va utiliser des VEthernet, des interfaces virtuelles qui va attribuer au fur et à mesure à tous mes conteneurs. L'autre élément donc derrière, quand j'ai fait mon Docker Inspect, j'ai lancé un Nginx. Donc si je fais un curl sur cette IP, hop là, si je fais un curl sur cette IP, voilà, donc j'ai bien un Nginx, vous voyez, qui répond, il n'y a pas de souci. Si je fais donc une autre commande, donc Docker logs, le nom de mon conteneur en question, donc là mon conteneur il s'appelait mon conteneur, vous voyez, j'ai tabulé, je peux compléter par mon conteneur. Si je fais un Docker logs, vous voyez que j'accède au log
de la sortie standard du process principal du conteneur, en l'occurrence c'est Nginx, donc du coup ça me permet d'accéder directement au log du Nginx. Et si je fais un docker logs-f, donc là c'est comme si je faisais un tag-f, donc si je passe quelques lignes, je renouvelle mon curl, là je me retrouve avec mes logs de Nginx hein, qui vont s'empiler très, très facilement. Donc là quelque chose d'important, docker logs, docker logs-f qui permet de consulter les logs, à savoir que les logs c'est ceux du process principal du conteneur. Et c'est ces logs-là qui peuvent être renvoyés, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, grâce au driver de log, renvoyés vers du syslog, vers du ELK ou autre. Alors les conteneurs, ensuite, on peut se rendre à l'intérieur d'un conteneur. Donc on a fait un docker ps. Ici, j'ai un conteneur qui s'appelle mon conteneur. Donc si je veux me rendre dedans, je fais un docker exec-ti, le nom du conteneur en question. Donc moi, c'est mon conteneur. Et derrière, si je veux me rendre dedans, il faut que j'utilise un shell. En l'occurrence, je dois avoir un bin bash dans le conteneur Nginx. Là, c'est vraiment les gens qui ont constitué l'image qui suivant l'image d'origine, font qu'on dispose d'un shell ou non. Et là, j'arrive dans mon conteneur. Donc là, je suis dans mon conteneur. Si je fais un ps, alors j'ai pas la commande ps, vous voyez que c'est quelque chose d'assez épuré. J'ai ls quand même qui est installé et je peux voir que dans mon conteneur, j'ai pas mal d'éléments. J'ai aussi, donc du coup, si je fais un IPA dans mon conteneur, vous voyez, j'ai même pas IPA, j'ai pas ifconfig, donc on va pas creuser plus, mais j'aurais pu retrouver tout simplement l'IP de mon conteneur si j'avais eu ifconfig par exemple d'installer ou IPA. Derrière, donc si on veut stopper notre conteneur, on peut faire un docker stop mon conteneur. Toc. Si je fais un docker ps, donc docker ps lui c'est uniquement les conteneurs actifs, donc mon conteneur n'est pas actif, n'est plus actif. Si je fais un docker ps-a, là je vais lister tous les conteneurs actifs ou inactifs, donc vous voyez que j'ai même l'ancien conteneur que j'avais créé le tout premier, mais j'ai aussi mon conteneur qui est présent, donc ça veut dire que si je fais un docker start de mon conteneur, là derrière je peux refaire un docker ps simple, je retrouve bien mon conteneur qui est présent, et si je refais mon curl, donc j'ai bien mon Nginx qui répond. À savoir par contre que, attention, ne pas se fier aux IP tels que je l'ai fait là. Si on avait lancé d'autres conteneurs entre temps, on pourrait très bien se retrouver avec des IP, les IP dans Docker, ceci étant du bridge, et les allocations se faisant un petit peu à la volée, les IP peuvent être prises par un autre conteneur. Donc il vaut mieux ne jamais trop se baser sur l'IP en elle-même d'un conteneur et utiliser d'autres méthodes. Et supprimer un conteneur, bien sûr, donc docker rm, si je le lance sur mon conteneur étant actif, il me dit, bah voilà, je peux pas le supprimer. Donc si je fais par contre docker rm-f, il va d'abord le stopper et le supprimer lui-même. Après, le petit tricks utilisable, si je fais un docker rm-f, dollar entre parenthèses docker ps-aq, donc le docker ps-a permet de lister tous les conteneurs, qu'ils soient actifs ou non. Q permet simplement de récupérer l'ID. Donc là j'ai concaténé les deux et du coup vous voyez que là il a été me cleaner tous les conteneurs que j'avais de présent. Derrière donc les images, la notion d'image, on a donc la possibilité de consulter les images qu'on a de présent sur notre machine. Donc si je fais un docker image ls, je peux lister les images. Là je vois j'ai qu'une image, mon Nginx en question. Si je fais un docker image inspect, en l'occurrence donc on peut mettre l'ID ou le nom, les deux fonctionnent. Là j'ai les métadonnées de mon image en question. Et je peux même découvrir dans le détail, si je fais un docker history Nginx, voilà. Là j'ai l'historique de comment a été constituée mon image, mais ça on verra ça dans une prochaine présentation. Donc les images, on peut, hop,
Là, je vais revenir ici. Pour récupérer une image qui est distante, on peut faire un Docker pull. Vous voyez que donc tout à l'heure, quand on a lancé le conteneur, la commande Docker run compose elle-même le Docker pull en question pour récupérer l'image. Donc elle s'occupe elle-même de récupérer l'image si elle n'existe pas dans notre dépôt local qu'on peut consulter grâce au Docker image ls qu'on a vu. Si je fais un Docker pull Alpine, donc qui est le nom d'une image, bah là il va récupérer l'image. Si je fais un Docker image ls, Docker image ls sans sa image, voilà, je me retrouve avec mon Alpine qui est bien là. Petit tricks aussi, si je fais Docker image avec un s comme ceci, ça fait l'équivalent de Docker image ls. On peut pousser aussi, donc je peux me loguer à la registrie Docker. Donc là, j'ai un compte, moi, qui est celui-ci. Hop, voilà. Et là, je peux faire un Docker push. Donc, il faudrait d'abord, ouais, alors il faudrait que je d'abord fasse d'autres choses. On peut faire un Docker push, le nom d'une image, donc Alpine, par exemple. Là, je vais pas pouvoir, je pense, le faire. Voilà, je vais pas pouvoir la pousser, ce qui est normal. Mais derrière, donc, une image est composé de tags, on reverra ça dans un prochain live. Voilà un petit peu pour... Donc ça, c'est cette notion d'image qui est importante. Donc on prend une image, on la run, et du coup, on obtient un conteneur, quelque chose de très important. Alors la notion de volume ensuite. La notion de volume, elle est assez simple. Donc c'est modélisé de cette manière-là. On a un host, qui est le serveur ici à gauche, et dessus, on va faire tourner des conteneurs. Ces conteneurs... on l'a vu tout à l'heure quand on a fait le ls dans notre conteneur, on a des répertoires, un système de fichiers, et derrière ce système de fichiers, on peut choisir de monter des volumes dedans. C'est l'équivalent d'un mount, hein. Donc soit monter des volumes de répertoires qui sont déjà sur notre host, soit des volumes distants comme du NFS par exemple. Ça, on va pouvoir le faire assez facilement. Donc si je prends mon container Alpine, donc moi je vais créer un répertoire sur ma machine qui se nomme Vols par exemple. Hop, voilà. Et que je lance, du coup je vais faire un docker run-d-name. Donc là je vais la rappeler mon conteneur. -v pour spécifier que j'ai un volume. Et là je vais faire du mapping de volume. Donc je vais l'appeler vols. Donc là, c'est mon répertoire source sur ma machine host ici. Et je vais dire que dans mon conteneur, je veux que ça corresponde à slash tmp. Et je vais dire que mon conteneur, je lance une Alpine. Donc si je fais ça, alors oui, ça ne va pas avoir fonctionné. Donc si je fais ceci, si ça va fonctionner, très bien, parfait. Donc si je fais un docker exec -ti pour me rendre dans mon fameux conteneur Alpine, donc mon conteneur, et Alpine, lui, le shell, c'est donc bin h, hein. Voilà. Hop. Donc oui, il n'existe pas, c'est bien ce qui me semblait. Donc si je fais toc, on va refaire, donc je vais appeler un conteneur 2 ici. Et l'Alpine, en fait, là, pourquoi mon conteneur que je lance n'existe pas? Tout simplement parce qu'il n'a pas de process qui le font tourner, process principal. Donc là, je vais faire un bin, on va faire simplement, je vais lui faire un slip de 3600 secondes. Donc si je fais un docker ps, ici, j'ai bien conteneur 2 qui tourne. Et si je me rends dans conteneur 2, voilà, donc là, je suis dans mon conteneur, ici. Donc je peux me rendre dans mon répertoire slash tmp, et si je fais un touch de toto, toc, je ressors, je retourne sur mon host. Mon host, je vais créer le répertoire vols. Vous voyez que dans mon répertoire vols, désormais, j'ai un fichier toto qui existe. Si je fais un touch de slash tmp tata, je ressors. Et si je fais un ls, maintenant j'ai toto et tata. Donc ça, c'est le principe de volume. Les volumes, donc là, c'est la manière un petit peu la plus brute de l'utiliser par la ligne de commande en mettant -v. Donc Docker dispose d'une ligne de commande spécifique. Donc je vais continuer rapidement. On va finir sur les volumes. Et puis ce qu'on verra, c'est le prochain live, on fera la partie network. Je vais juste en toucher deux mots juste après. Donc on va créer, donc si je fais un docker volume
volume ls. Là, j'ai la possibilité de créer des volumes. Ensuite, donc je peux créer donc un volume. Donc Docker create Docker volume create. Et là, je vais l'appeler mon volume. Donc là, je crée un volume. Donc si je fais un Docker volume ls, et derrière ce volume-là, ce qui se passe, c'est que je vais reprendre la même ligne de commande que j'avais tout à l'heure, qui est celle-ci. Et ici, plutôt que d'appeler un chemin particulier, je vais appeler le nom du volume que je viens de créer, donc qui s'appelle mon volume. Donc je le déclare comme ça. Et là, du coup, j'ai créé un conteneur Alpine 3 qui est monté sur le volume en question, donc pour la partie slash TMP. Donc si je retourne, si je vais sur, je fais un docker exec-ti sur le container 3, si je fais un touch quoi, ou un ls de slash TMP, j'ai plus rien dedans puisque j'ai monté un autre volume. Donc si je fais un touch de slash TMP et que je mets dedans, je vais mettre Toto. Hop, voilà. Donc là, je vais me retrouver avec mon volume. Donc le volume, c'est quoi? Donc si je fais un Docker volume ls pour lister mon volume, je peux faire ensuite un Docker inspect le nom de mon volume. Et là, je vais me retrouver avec les métadatas de mon volume en question. Et mon volume, vous voyez que finalement, son endroit de stockage, c'est ici. Alors après, bon, on a une question de droit, mais on va pouvoir retrouver nos éléments dedans, et je vais retrouver donc mon volume Toto. Donc du coup, j'ai une persistance de la donnée, c'est-à-dire que si je crée des éléments dans un conteneur mais que je fais pas ces montages, donc si par exemple dans mon conteneur 3 ici, je fais donc à l'endroit où je suis, je fais un touch Titi. Si je supprime ce conteneur et que je le recrée à l'identique quasiment, je ne retrouverai pas Titi. Par contre, grâce au montage, je vais pouvoir retrouver mon fichier en question. Voilà donc pour les Docker. On a ensuite la notion de network. Donc là, je ne vais pas vous faire les démos aujourd'hui sur les networks, il y a quand même pas mal de concepts à avoir. Mais donc on a vu le principe qu'on avait donc grâce à Docker Inspect la possibilité de récupérer l'IP de chacun des conteneurs. Ensuite, les conteneurs, on va pouvoir faire jouer au niveau réseau et faire en sorte que soit nos conteneurs peuvent être utilisables via les ports du host qui héberge les conteneurs. Du coup, on va pouvoir faire du mapping de ports, c'est-à-dire que le port 80 de la machine qui héberge les conteneurs vont pouvoir être redirigés vers le port 80 d'un conteneur, ou le port 80-80 d'un conteneur. Donc on va pouvoir faire voilà, du mapping de ce goût-là, ou sinon juste gérer des links, des liens entre des conteneurs, et faire en sorte que les conteneurs se parlent uniquement les uns avec les autres. Derrière, donc il y a aussi pas mal d'autres choses. On peut copier des fichiers, on peut faire donc la création d'images, mais on verra ça au prochain live. Est-ce que vous avez des questions déjà sur la partie qu'on a vue aujourd'hui? Je vais me remettre sur le chat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? On est obligé de couper parce que sinon ça va être trop long et je pense qu'on va perdre vraiment beaucoup de monde. Avez-vous des questions particulières sur le chat? Vous pouvez en poser, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas. Hop, je vais me remettre ici. Donc on verra dans vos prochains lives la partie network et puis on verra la partie image aussi où il y a beaucoup de choses sympathiques à faire. Posez vos questions sur live, sur le chat. N'hésitez pas, si vous avez une question, j'en prends une ou deux là. Allez-y. Si, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors là, on est vraiment, on n'a pas pu rentrer dans le détail des choses, hein, en une demi-heure, c'était un peu court. On rentrera dans le détail, donc notamment sur les images également. Donc il y a un gros enjeu sur les images, notamment l'enjeu d'une part de sécurité. D'autre part, l'enjeu aussi d'être le plus light possible, c'est-à-dire que les images, si on fait un Docker image avec un S qui correspond à Docker image ls, on retrouve aussi la taille des images. Et vous voyez que si on veut aller vite, il faut avoir des images relativement compactes.
Il faut bien comprendre le système de fonctionnement des images qui dispose de systèmes de cache interne, ce genre de choses. Donc bien comprendre ces choses-là, on fera ça dans le prochain live. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui sont intéressés sur ce domaine-là, à en parler. Les Dockerfiles dans un prochain live. Oui, alors les Dockerfiles justement, donc ça va être le. Donc là c'est la question qu'on me pose. Peux-tu présenter les Dockerfiles dans un prochain live? Ça sera l'objet du prochain live. Donc on verra les networks en première partie, ça sera assez rapide. Mais justement cet aspect-là dans les Dockerfiles, savoir comment on fait une image légère et on la sécurise. De faire un appairage d'un dongle Wi-Fi avec un conteneur. Alors, ça va pas être de l'appairage proprement dit. Le dongle Wi-Fi, lui, ce qu'il va faire, il va juste se connecter sur le network du host qui héberge le conteneur. Ensuite, on peut bien sûr faire utiliser le Wi-Fi par le conteneur. Il n'y a aucun souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question là? Ça se réveille. Peuvent discuter entre eux avec signal ou des pipes nommées sur la machine host. Non, alors les conteneurs, c'est pas le principe de communication entre conteneurs, ce n'est pas par signaux ou par pipe ou ce genre de choses. Le principe de communication du conteneur, c'est vraiment sur des principes, pardon, où on repasse toujours par la stack, on va dire réseau. Assez standard, donc on va être obligé de faire comme on le fait, comme si on était sur des machines différentes et pas comme si on était finalement, et contrairement à ce que j'ai dit au tout début, là dans le cas des pipes, on pourrait considérer effectivement comme on est sur des process différents, on pourrait faire des choses. Là en l'occurrence, non, c'est pas plutôt, et ça serait très complexe à imaginer. Je sais que c'est encore un peu tôt pour telle question, mais je tente. Si je monte un volume sur une partition existante avec des données, que se passera-t-il? Alors, Docker a un système très facile. Donc là, réponse à Amos. Donc, si je monte un volume, tel que je l'ai montré tout à l'heure, mais sur des partitions déjà existantes avec des datas. Par exemple, on prend des databases. Aucun problème, les données vont pas être écrasées et au contraire, donc c'est utilisé par exemple si on veut faire des montées de version, c'est aussi un des gros atouts de la conteneurisation. Si je prends un MySQL 5.7 et que je veux passer en 5.8, enfin bon, maintenant on est sur des niveaux beaucoup plus hauts, et que j'ai des datas qui sont, il faut qu'ils restent quand même compatibles ces datas, et que je monte une image avec les. Donc j'ai des datas qui reposent sur un volume distant, je vais pouvoir les faire tourner avec une image plus récente de MySQL par exemple, donc ça peut être assez sympa. Pour contrôler, mettre du Wi-Fi en scan. Ah oui, là donc c'est Adrien qui fait des réponses en même temps qui interroge. Ok, pour avoir plus de précision, effectivement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors, ça existe les conteneurs pour faire du scan ou ce genre de choses-là. Il y a des conteneurs qui sont dédiés à ça. Les hackers commencent aussi à en utiliser pas mal de manière à avoir quelque chose qui est installé sur sa machine et puis à le supprimer par la suite. En outre, alors j'en ai pas parlé, les conteneurs à titre perso, on peut aussi donc attaquer quoi s'en servir comme interface graphique, notamment. Par exemple, si on veut un Firefox, qu'on veut pas pourrir son Firefox parce qu'on va sur, je sais pas, un site particulier ou autre, où on va installer où on veut tester un plugin, on va pouvoir lancer un Firefox en conteneur et puis récupérer le display sur son laptop standard. Puis une fois qu'on a fini, bon, on supprime le conteneur, on le met à la poubelle et bien finalement, on a sali que dalle. PSTP, la partie Docker Compose. Alors, ça sera pas dans la prochaine séance Docker Compose, parce que sinon une demi-heure on tiendra pas. Ça sera sûrement la séance d'après. Donc, est prévu au programme, on va dire. Donc, prochain live, on va aborder la partie network qui est indispensable. Ça sera léger encore, mais on peut rentrer dans le détail. Mais ça viendra peut-être petit à petit. Mais on va passer beaucoup de temps sur les networks si on rentre vraiment dans le détail. Ensuite, le live d'après, l'idéal, ça serait effectivement commencer à parler de Docker Compose. Après, il y a Docker Swarm aussi qui est quelque chose qui est moins à la mode, mais ça permet de commencer à mettre la main dans le clustering de conteneurs. Donc ça, c'est assez sympathique. Et Docker Compose permet de faire aussi des choses extrêmement sympathiques. Et puis, pourquoi pas ensuite enchaîner un petit peu le lien avec Kubernetes. Par contre, le device, il faut que le conteneur puisse, un, contrôler la stack réseau du host. C'est ça exactement.
Donc retirer pas mal de limitations, exactement. Donc alors ouais voilà, je vous invite à aller voir le chat. Adrien fait des précisions. Il est bien meilleur que moi sur cette partie-là, stack réseau notamment et d'autres éléments. Effectivement, donc les conteneurs, on n'a pas abordé ces questions-là. D'un point de vue sécurité, il y a des choses à faire avec les conteneurs, il y a des choses à ne pas faire. On peut faire beaucoup de choses avec les conteneurs quand on fait du privilège true, c'est-à-dire qu'en fait qu'on attribue les droits au conteneur comme s'il était root sur la machine principale. Donc on n'a pas parlé des process. Si par exemple on reprend le Nginx qu'on avait tout à l'heure, donc si je fais un docker-d Nginx, puis c'est tout, docker-d run, pardon, docker-run-d Nginx. Si je fais sur ma machine un PSAUX quand même, on va quand même se quitter sur quelque chose. Si je fais un PSAUX et j'ai pas de Nginx, hein, je vous rassure, qui tournait sur mon host jusqu'ici, j'en avais pas installé, eh bien vous voyez que j'ai un Nginx qui tourne ici, qui est bien présent, et il est lancé. Et regardez comment il est lancé, en quel user il est lancé en tant que root. Donc ça, c'est une des problématiques à traiter quand on fait de la conteneurisation. Donc si on lance ce conteneur en tant que root, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le process principal qui tourne dans le conteneur est en tant que root. Ça veut dire que potentiellement quelqu'un qui rentre sur la machine via le Nginx, une faille de sécurité Nginx, pourra ensuite, grâce à ses privilèges de root, monter éventuellement un volume et pouvoir intégrer donc le host qui est en dessous. Et pourquoi pas ensuite rebondir et récupérer les éléments d'autres conteneurs qui sont en parallèle. Voilà, donc Adrien précisait d'autres choses. Il faut trouver un config pour que le runtime dédie la carte réseau au conteneur. Oui, donc après, effectivement, il y a moyen de faire des choses. Docker utilise, alors on peut le voir ici. Hop, voilà, pour toute la stack réseau, ouais, on en parlera plus tard, mais Docker utilise ni plus ni moins que la stack réseau classique via IPTables. Donc on voit ici que IPTables, avant l'installation de Docker, j'avais pas ces lignes-là, et Docker a créé donc une chain dédiée où il va pouvoir faire, donc quand on fait du remapping de port, quand on fait donc tout ce qui est attrait au network Docker, c'est ni plus ni moins que l'IPTables la plupart du temps, quoi, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions de manière à ce qu'on puisse couper? Voilà, allez-y, une dernière si jamais c'est le moment. Et puis sinon, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On va continuer à faire des lives comme ça. Abonnez-vous à la chaîne Ornest. N'oubliez pas la petite cloche pour pas oublier les alertes. Et voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Essayez de bien vivre le confinement. Profitez-en pour vous former, découvrir plein de choses, partager des choses avec d'autres personnes. Ça n'empêche pas. Voilà, donc bon courage à tous.